animatrice, justement, à 4 saisons, qui avait invité Gérard-Marie Boivin pour une petite entrevue près de Radio-Québec. Et ils sont ensemble dans la même voiture lorsque, soudainement, Gérard-Marie va assister à des péripéties insoupçonnées de la part de Julie. On va juste vérifier pour voir les... C'est parce qu'une automobile qui n'a pas de l'air vraiment neuve, alors je vais juste vérifier les... C'est tout. Vous savez ce qui est arrivé, c'est que ma voiture a un rappel de compagnie très important pour la conduite le vendredi soir, et le garage m'a donné ça pour le week-end. Bon. Mais c'est très énervant, monsieur, de la façon dont vous faites ça. Bien, c'est qu'on fait toujours ça comme ça. On vérifie les véhicules. Moi, je tourne. Je m'en viens à Radio-Québec, je suis attendu 15 minutes. Je tourne ici à 5-15 km à l'heure. C'est très énervant, ça. C'est la façon de fonctionner. C'est parce que je veux juste vérifier des choses, comme par exemple les... Bon. Vous avez... C'est votre véhicule qui est à vous. Denis! Il va y avoir deux véhicules pour une poursuite, s'il vous plaît. Oh non, es-tu folle? Teste pas ici, s'il vous plaît. Deux véhicules. Deux véhicules pour une poursuite. Il y a quelqu'un qui fuit ici sur Follum. Mais non, non, faites attention, là. Ça peut être dangereux, ça. Mais non, c'est une reporter. On fait une entrevue. Écoutez, moi, ce que je veux savoir, vous la connaissez, cette dame-là? Ben oui, c'est une jeune fille qui fait des entrevues pour Radio pour 4 saisons sur Châtelain. Mais est-ce qu'elle va faire avec ma voiture? Bon, premièrement, c'est-tu votre voiture ou pas votre voiture? La voiture du garage, vous avez les papiers, là, monsieur. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Elle a-t-il quelque chose à s'approcher? Je sais pas, monsieur. Moi, c'est une reporter qui me donne un rendez-vous. Je suis allé rencontrer au restaurant. On s'en vient à Radio-Québec. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Bon, écoutez, on va prendre ce calme, là. C'est évident qu'elle a quelque chose à s'approcher. Pourquoi elle fuit comme ça? J'ai aucune idée, monsieur l'agent, en mourant dedans. Julie! Voulez-vous que j'aille? Non, ben, des fois là, ils ont l'air à se poursuivre. C'est dangereux. C'est ridicule, cette affaire-là. Voyons donc. Julie! Julie! Arrête! Julie! Arrête! Attendez, attendez. Venez ici, c'est dangereux. On a peine, c'est bon. C'est lui qui arrête. Oui, bon, attendez. Faut prendre ça comme ça, là. Julie! Julie! Madame, s'il vous plaît, madame! Madame! Restez sur ce côté-là! Monsieur, attention! Arrête, Julie! Non, non, je trouvais pas pour l'écraser. Bon. Julie! Julie! Oh my God! Julie, arrête! Julie! Ça va s'arranger? De toute façon, elle doit être sur des médicaments, quelque chose. Pas de bon. Voyons donc. Est-ce qu'elle prend de la drogue? Elle prend pas de drogue? Bon, écoutez, il y a certainement quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait à Radio-Québec? Est-ce que... C'est pas, elle travaille pas à Radio-Québec. Ça, c'est une pige pour la revue Châtelaine. Bon, OK. Julie! Julie! Arrête, Julie! Julie! Oui, mais comment vous allez l'arrêter? Ben, on va finir, de toute façon. Vous allez rentrer dans le char. J'ai demandé deux automobiles, s'il vous plaît, sur Follum, face à Radio-Québec. Il y a une poursuite ici. Oh! Prenez pas ça comme ça, là. Je dis, ils vont l'avoir. Mais qu'est-ce qui se prend? C'est le casse-cou, ça? Venez ici, là. Remettez-vous un peu, là. Écoutez, elle vous cache certainement quelque chose. Et certainement... Monsieur, là, soyez très clair. Moi, oui. C'est une relation professionnelle. Je suis un journaliste, oui. Animateur à Radio-Québec. Oui. Châtelaine me demande de faire une entrevue. Oui. À Radio-Québec, oui. Samedi, ce matin.
Je connais cette jeune femme-là parce que là, j'ai déjà fait des entrevues avec elle. Oui. Mais ça s'arrête là. OK. Donc, mais est-ce que vous auriez pu servir de front, de couverture aujourd'hui pour un trafic de quelque chose? Je ne sais pas, moi. Oui, j'en veux garder partout. Il va l'avoir parce que de toute façon, ils s'en viennent ici. Là. De toute façon. Elle peut pas faire autrement. Juste à rentrer là, vous allez voir. Elle peut pas faire autrement qu'elle arrête d'arriver ici. Bon, ils s'en viennent ici. Bon, c'est bon. Quelque chose. C'est surpris. Hé là!